On se retrouve donc pour la suite de Punch-Out. La dernière fois, j'avais fait donc une coupure, puisque bah, la vidéo collait bien pour le temps. Et on va continuer. Donc on était au milieu du circuit majeur. Ah putain, et oui, il fallait... On allait s'affronter contre Great Tiger. Et là, ça va être chaud. Donc comme d'hab, je vais faire deux essais. Et si je meurs dans ces deux essais, et ben, je vous mets la bonne séquence. Ça permettra donc de voir le plus d'adversaires possible dans une vidéo. Moi par contre, je risque de passer du temps à chaque fois. Lui m'avait posé problème hein, sur le tournoi normal. Là, je sais pas ce qu'il va me réserver, mais en plus là, je reprends là comme ça à froid. Ça va être chaud quoi. D'accord. C'est quoi ça? Ah, il y a une espèce de code avec son turban. D'accord, il doit dire ce qu'il va faire. Ça, c'est un rapide. Donc on peut éviter direct. Il temporise un petit peu, là, je pense, le bleu. Oh, ok, et le vert, c'est une grosse temporisation. On va voir si c'est bien ça. Oula. Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh putain. Comment on fait là? Ah là, fallait peut-être aller en arrière. Putain. Bon, comme d'hab. Hein. Bon, peut-être 3 essais là, parce que là, tout dépend de la vitesse. Où je tombe à terre, parce que là j'enchaîne pas mal quand même. Faut aller dans cette direction. Ouais, c'est ça. D'accord, on peut foutre qu'un coup en fait. Faut que j'arrive au moins jusqu'au à la fin du round. Ok, super. Waouh. Il a l'air faisable quand même. Je sais pas ce qu'il dit, hein. Mais bon. Putain, direct. Attends, ça faut éviter sur les côtés. Merde. Ah, faut peut-être éviter celui qui est... Oh putain, bon, là je suis mort. Faut peut-être éviter parce que quand il se dédouble comme ça, il y en a un qui est vachement plus visible que l'autre. Je pense que l'autre c'est un fantôme. Oh le délire. Bon, ok, bah premier essai. Mais j'ai pu voir un peu ses patterns. Sachant qu'il en a sans doute d'autres. Enfin, il est intéressant là. C'est juste mon problème que j'avais sur le tournoi normal, c'est d'aller dans sa direction, quoi. Mais bon. Je me suis peut-être amélioré depuis. Ok. Ouais, non. Alors là, un vert, donc il va le faire lentement. Putain, ça j'oublie qu'il faut pas... Faut foutre qu'un seul coup, quoi. Ok. Ah là, faut que je me déplace. Ok, et ça toupie. Ok, faut bien faire arrière. Ah là on peut bien profiter là. Merde. Il temporise à moitié quand même. Ok, je le fais tomber.
two, three. Oh my god. Come on, come on. Right. C'est quoi ça? Merde. Attends, ça m'a surpris là, son. Quoi, là, son joyau qui devient blanc, je sais pas trop, fallait peut-être faire arrière. Ah, c'est ça. Putain, le gros cri du tigre, c'est excellent. Bon. Il m'a fait tomber quand même. Putain, il est très bavard. Hein. Joyau de Crate Tiger, 6000 de... Ouais, voilà, c'est ça. Elle est intéressante, là. Alors là, par contre, faut bien regarder, donc je me concentre. Arkhamon! 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 Ok, très bien. Ça c'est bon. Il va me le faire souvent. Bon, ça va. Là. Allez, je vais pouvoir récupérer à fond. Là. Enfin, ce que je peux. Merde. Je pensais qu'il temporisait plus que ça. Oh. Merde. Quel con. Ah, c'est direct en fait. Bon, ok. Mais c'était les portes là, non? C'est bon. Ouais, c'était les portes. Enfoiré. Allez, on recommence le tour de magie là. Oula. Très bien. Allez. Bon, je l'ai fait tomber deux fois, c'est pas mal. Il reste 40 secondes donc je l'aurai pas, mais. La prochaine pause, je vais pouvoir. Oh putain, bien. Je vais pouvoir me remplir la santé. Merde! Ouf! Moi ouais, je l'ai esquivé, mais bon. Il y a moyen que j'arrive à la voir. Il est pas bien, lui non plus. Direct, bon. Ça devrait aller. Merde, je peux se courir. Pas que je fasse trop. C'est bon. En fait, on voit bien la fumée quand même. Alors ça, ça va être chiant. Il va super vite quand même. Merde, je me suis gouré. C'était quoi ça? Merde, oh là là. Merde. Oh là là. Je suis limite, hein. Ouais, hélas, il va se relever, je pense. Ouais, fais chier. Merde. Putain. Ouais, ouais, mais plus court de sens, quoi. Ah, j'ai toujours ce problème, en fait. Bon, bah, je vous mets la bonne séquence. Oh!
तेरा मन पसंद रंग कौन सा है फंस गया दाएं से अरे 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 मार डाला जलजला ओके आक्रमण 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 ok, je l'ai fait tomber. En fait, j'ai l'impression quand il y a un vert, enfin un bleu et un vert qui s'enchaînent, c'est dans des directions opposées. Le bleu, c'est toujours à droite, je sais pas. Il y a un truc. Ouais, on dirait que c'est ça. Là, le vert, c'est à gauche tout le temps. Merde, c'est vrai qu'il enchaîne direct. Ok. Du coup, c'est plus simple hein, si c'est ça. Si le bleu c'est toujours à droite et que le vert à gauche. Sachant cela, c'est bien. J'aurais au moins fait tomber une deuxième fois avant la fin du round. Même si stratégiquement c'est peut-être pas génial. Il aurait pu me foutre un coup quand même. Ok, allez. Là, j'utilise pas l'option là. Continue. Ah, direct. Comme ça là. Oh putain, je me suis raté sur le premier coup. Je suis complètement bourré de sens. Merde, mais. Oh là là. Je fais de la merde. Ça a l'air d'être ça en tout cas. Ok. Putain, faut que je récupère de la vie là. Putain, j'ai fait le con sur l'enchaînement. En même temps, c'est pas simple. Putain, j'ai qu'un cœur. Je fasse gaffe aussi. C'est vraiment pas facile ça quand même. Ah ouais. J'y arrive pas ça, je sais pas. Akraman. C'est bon. Oh. Oh merde, encore ça. Ah mais c'est bon, c'est la fin. Bon, dernier round donc là. Hop. Ackerman. À terre. Et je pense que la deuxième fois ça va le faire. Il pourra pas se relever. Il en peut plus. Ah, j'aime pas ça. Putain, j'ai réussi pour une fois à tous les esquiver.
Bon, ça va l'achever, ça, j'espère. On va voir. Ok, moi ça le fout à terre. Une minute trente. J'espère au moins qu'il va pas avoir beaucoup de vie s'il se relève. Ah, il se relève l'enfoiré. Merde. M'attendais pas qu'il soit aussi rapide. Très bien. Allez. Bim. Ah merde, j'espère que le temps ça va aller. Ça prend donc du temps, c'est son attaque là. Merde. Allez. C'est bon. C'était les portes. Il a carrément disparu quoi. Et ben voilà, on a réussi. Bon, au bout de 3 essais. Bon, le premier essai en même temps, c'est toujours la découverte du boxeur. Donc forcément, pour l'avoir du premier coup, c'est chaud. Ok, ouais, alors continuez. Maintenant, on va s'affronter contre le dernier du circuit majeur, même si on est toujours en circuit mondial. Aïe aïe aïe. Don Flamenco. Bon, lui il me fait marrer quoi. Le personnage me fait marrer, par contre, il est quand même assez dur quoi. Putain, il me déteste. Ok, il s'est surboosté sans doute. Bon, je me rappelle plus trop de ce qu'il fait. C'est vrai qu'il y avait ce coup là. On est obligé de l'attaquer au début quoi. Venga, carne mi amor. Il fait quoi déjà là? Putain, je me rappelais plus. Putain, c'était quoi ça? Ça c'était nouveau hein. Merde. Bon, on retrouve quand même pas mal de ses coups. C'est juste qu'il faut le provoquer pour qu'il en balance un. Ça, c'est nouveau par contre. Putain. Oh là là, merde. J'ai pas de réflexe quoi. Ah, c'est pas vrai. Au moins, je l'aurais fait tomber une fois. C'est vrai qu'il tombe comme ça, lui. Putain. Ah, si, il peut le faire sur la gauche, là. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Il ressemble pas mal quand même à l'original quoi. C'est juste qu'il faut le provoquer. Ah, quel romantique. Bon, j'ai dû lire quand même une grosse connerie hein, quand je disais qu'il y avait un nombre d'essais limité.
À moins que ça soit pour le tout dernier circuit, je sais pas. Je suis étonné d'avoir lu ça quand même. Putain, direct celui-là. Ok. Putain, je peux pas donner plus de coups quand même après avoir tout esquivé. Merde, c'est vrai, c'est... Non, mais à chaque fois je me fais avoir. Hop, ça c'est bon. Allez. Je sais pas, ça me fait marrer comment il tombe. Oh putain, c'était de l'autre sens. C'est une bonne gueule de surprise quand il se rate. Quoi? Ok. C'est chaud. Nunca has visto una rosa negra? Every rose has a thorn, Mac. Be that thorn in Flamingo's side. Be there, baby. Ok, bon là j'ai pris la santé. Venga, el Carmen, mi amor. Anda. C'est quoi ça? Anda, Venga, Carmen, mi amor. Ok. Deuxième. One, two, three, four. Merde, je fais en arrière. Ah non, ça j'y arrive pas. Oh putain. Oh là là. Ah, il a speedé d'un coup là. Bien joué. Vache! Putain, je suis mal, hein. Oh, mais merde! Attends, je comprends pas, parfois. Il m'esquive en fait. Merde, je crois que j'étais mort. Perfecto! Aquí! Toma! Olé! Ahí está! Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Putain, vache! Oi! Vamos! Vamos, va! Primera! Casi! Ok! Vamos, va! Carmen, mi amor! Oh putain, là j'étais mort! Alors ça, faut l'esquiver mais réesquiver derrière, je pense. On n'a pas assez pour pouvoir lui foutre un coup de poing, je crois. Non. Oh putain. Oh bah direct. Et merde. Bon bah je vous mets la bonne séquence. Venga, carne mi amor. Venga. Ay mamá. Venga, carne mi amor. Anda, carne mi amor. Uno, dos, tres. Está bien. Ok, super. Alors bien sûr, il doit y avoir des moments où on peut choper des étoiles.
je vois pas trop à quel moment, enfin... Faut un peu tout essayer, quoi. Merde. Ok. Ses coups font super mal. Ah putain, ouais, non, je peux pas en fait quand il fait ça. Voilà. Voilà, au moins je lui ai bien fait mal pour le début du prochain round. Bon, je vais pas... je vais pas utiliser la santé. Ah bah, c'était bon là. Putain merde, c'est le bordel là. Bon, j'ai le temps de me remettre quand même. Putain, j'ai bien récupéré là. Merde! Non! Je me prends toujours le premier quand même. Oh la vache, j'aurais pu le prendre celui-là. Ah, merde. Il va être encore plus furax. Oh la vache, c'est carrément pas le temps quoi. J'ai du mal hein, le premier. Non. Ah dommage, bon, j'ai utilisé Ah putain, il a récupéré sa... Ah non. Non. Oh putain, j'ai failli passer sans l'utiliser quoi. Non, pas ce coup, putain. Quoi? Ok, mais putain, je suis pas bien. Non, j'ai fait en arrière. Ok, donc il y a deux coups quand il fait ça. Bah, pas là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas facile. Oh là là. Cool, j'ai réussi. C'est bon. Yes. Est-ce que je gagne au point au moins? Parce que là c'est la fin du round. Il va peut-être pas se relever. Oula. Oula non. Je crois qu'il a du mal. Merde. Alors comment ça se passe là? Je l'ai quand même fait tomber plus de fois, non? Yes, c'est bon. Bon, je l'aurais pas foutu KO, mais bon. C'était pas simple. Et bah du coup, on a fini ce circuit, là.
C'est cool, on va pouvoir commencer donc la dernière partie. Où là ça va être assez costaud. Circuit suivant. Hey, great work, Mac. Now let's take down the next challenger. Ça va toujours à bouffer ses Twix, l'entraîneur. T'as la bonne musique au fond, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. C'est clin d'œil à la version NES. Ah, pour moi, de toute façon, moi je préfère la version NES que Super NES. Hein. Au niveau du gameplay, tout ça. Aaron Ryan. Ça, je me rappelle plus lui. Je m'en souviens qu'on n'arrivait pas à le taper au début. On va voir. Connu me cherche là. Il s'attache les poings. Il veut m'étrangler. Hein. Oh la main. Je me rappelle plus quand. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais. Ça marche pas, j'essaye de le contrer là. Je me rappelle plus du tout comment il était. Ça marche. Ça non. Ok. Quoi? Oh putain, comment il s'est remis quoi? D'accord. Et quand il se cogne la tête en face, ou alors faut faire un coup point haut. Il est pas très aimé. Oh putain, coup de coude carrément. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah d'accord. Quoi? C'est quoi ça? D'accord, il montre ce qu'il va faire avant. Oh là. Oh merde. Bah. Je pouvais pas foutre de coups apparemment. Elle va pas être évidente celui-là je pense. Peut-être que je m'y prends mal mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Non, vu qu'on est sur le dernier circuit, est-ce qu'on a un nombre limité là? Non. Non mais c'est des conneries ce que j'ai lu. C'était juste pour me faire peur quoi. Oh là là, c'est pas vrai. Putain mais je sais pas, je suis tout le temps crevé. Comment on se remet? Oula, je vais avoir beaucoup de mal, je sens. Putain mais la synchro de merde que j'ai.
Oh là là. Attendez, non mais là c'est juste pas possible. Faut que je me reprenne là, c'est n'importe quoi là ce que je fais. Voilà. Ok. Mais putain. C'est ça en fait, faut le provoquer. Et ensuite on peut quoi. J'aurais pu mais... Juste faire gaffe quoi. Ah voilà, ici à faire. Hop, ok. Quoi? Ah ouais, alors quand t'es KO, ça je sais pas trop. Oh mais putain, il change de pattern là. Je pourrais bien le faire tomber quand même. Voilà. Oula. Quoi? Ah, il peut tout un coup. Putain, c'est vraiment l'anti-jeu, quoi. C'est assez simple à esquiver son truc. Vas-y, balance. Ok. Bon, je pense que je peux y arriver finalement. Enfin, de toute façon, comme d'hab, hein, je vais y arriver quoi. Mais je pense avoir compris. Je pense avoir compris ses patterns. Bon, après, je pense qu'il en a d'autres encore. C'est comme un putain de triche. Putain, non. C'est vraiment un fou quoi. Bah. Putain, mais ça y est. Mais putain, j'ai aucun réflexe, c'est incroyable. Putain, il se tient la tête après l'échec, quoi. Ah d'accord, il l'est fait direct maintenant. Oh mais putain. Non, je suis vraiment mauvais là. Ouais. Bon, je vous mets la bonne séquence. J'espère être meilleur. Là. Ok, super. 3, 4, 5, et on envoie la sauce. Bim! Ah merde! Et bam! Très bien. J'adore comment il se tient à la tête quand on esquive tous ses coups avec son grand. C'est le gros drame quoi. Ok, j'ai toute ma vie. Vous voyez? Ah, il a temporisé ce connard. Voilà, ça c'est bien. Et voilà. Donc je l'aurais fait tomber deux fois là dans ce round. Excellent. Thank you.
Merde. Bon, j'espère que je garde les deux étoiles. C'est un bon début là. J'ai voulu faire avant coup point, mais ça allait sur la gauche quoi. Putain, j'ai souvent ce souci avec la croix directionnelle, c'est bizarre quoi. Ouais, bah oui, mais super. Du coup, j'ai perdu les deux étoiles, super. Allez, à terre. Bim. Très bien. Putain, il fait tout le temps à l'horizontale, quoi. C'est vraiment qu'au premier coup qu'il me l'a fait verticalement, quoi. Tu devrais te disqualifier, quand même, ce mec. Putain, merde, c'est vrai qu'il s'en remet vite, maintenant. Allez, deuxième fois. Très bien. C'est pas mal là quand même. Faut pas que je fasse le con quoi, mais ça va arriver, je sens. Oh non, je fais le coup. Allez, c'est bon. Bim. Oh putain. Oh putain, il a des spasmes. Ah, j'ai fait un coup à Ivan Drago, là, il est mort, quoi. Bon, bah ça se passe bien, là. Enfin, ça se passe bien, voilà, j'ai réussi, enfin, à le maîtriser, celui-là, quoi. C'est quand même pas facile, hein. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois, ça, je suis... Ouais, désolé si je le répète souvent. Mais bon, c'est les premières impressions qui m'arrivent à chaque fois. Oh putain, c'est lui maintenant. Bon, je pense que je vais me faire lui. Après, moi, je me ferai une pause. Et voilà. C'est parti. Putain, je sais pas trop ce qu'il va donner, lui, en boosté, quoi. Ah, franchement, je l'aime bien ce jeu. Il est très bon comme Punch-Out. Après, voilà, il a pas exceptionnellement marché, je trouve. À l'époque, je crois pas que c'est tellement de succès. C'est dommage, parce que j'aime bien ce genre de jeu, quoi. Putain, avec les dents. Il va être hyper boosté, la merde. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Putain, bah vas-y quoi. Fais-toi plaisir, vas-y. Oh putain. Oula, mais. Attends, mais. Si, la manette marche, mais c'est moi qui. Mais juste trop vite. Faut aller dans cette direction, je pense. Eh ben, ça c'est du début, hein. Ah oui, c'est celui qui a le super rire. Putain, je... Ah oui, c'est selon ces sons là que faut aller dans sa direction ou à l'opposé. J'adore son rire. Merde, quel con. Oh là là. Oh, c'est chaud.
Oh là là. Bon, on va retenter. Merde, j'aurais dû laisser. Ouais. Ça a demandé plus de réflexes que le précédent là. Quoi? Je l'ai shooté. Il est à 300 à l'heure. Merde. Oh là là, putain, fallait aller dans l'autre sens. Quoi? Voilà, putain, il a bien décollé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Putain, je contrôlais pas le perso là. Il y avait un espèce de décalage là, comme s'il y avait de la latence, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Oula putain. Я могу победить тебя даже одной рукой, привязанной за моей спиной. Ouais, si tu veux. Boxing is all about momentum, baby. Keep landing your jab. Question là, c'était un printemps élan. Ouais, ouais, non, c'est ça, ouais, c'est clair, c'est sur un réflexe, mais entre le moment où faut aller vers lui ou à l'opposé, c'est chaud. Voilà, comme là, là. Faut le faire au son, mais... On a très très peu de temps. Hein. Ouais, non, mais on a zéro temps, quoi. C'est incroyable. Bon, je vais vous mettre la bonne séquence, mais là, je sens que je galérerai un moment encore. Allez, ça devrait être bon. Vraiment pas facile ce combat. Je vous en parlerai davantage à la pause du round. Parce que là, je suis trop concentré. Oh putain, c'est énorme. Ah, je pensais pas le faire tomber deux fois de suite quand même. Bon, c'est nickel. Et merde. Oh putain! Ah, je pensais pas y arriver quoi! Alors, la particularité de ce mec, c'est que à chaque fois qu'on arrive à faire un enchaînement, au prochain enchaînement, on a le droit à un coup supplémentaire. Si vous faites toucher, vous retombez à deux. Là, j'ai bien enchaîné. Enfin, en même temps, je pouvais pas parler parce que j'étais hyper concentré. Mais là, putain, de l'avoir au premier round, ça fait plaisir.
Donc moi je vais faire une petite pause, je vais faire continuer. Et on va s'arrêter juste sur l'écran où on choisit le boxeur. Je sais pas combien de temps ça fera sur la vidéo, comme d'hab, niveau du montage. Et voilà, balle de boule. Donc lui, ça risque d'être costaud. Puis après, je crois que c'est Super Macho Man derrière. Et au centre, il y aura sans doute Sandman et un autre concurrent secret. Donc moi, je fais une pause. On se retrouve maintenant ou une prochaine vidéo.